Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 points essentiels pour bien choisir votre chaussure de danse latine. Premier point essentiel pour bien choisir votre paire de chaussures de danse latine, la souplesse de la chaussure. La semelle doit être pliable à souhait pour la souplesse de votre pied sans jamais se casser ou venir se fissurer en dessous de la semelle. C'est valable sur absolument tous nos modèles qui sont sur la boutique en ligne ainsi que sur nos modèles masculins. Vous voyez ici, la semelle est vraiment pliable comme on le veut, contrairement à une chaussure de ville où là, la semelle est extrêmement rigide. Point numéro 2. Pour un meilleur confort, choisissez le style de talon évasé. Évasé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le talon qui est beaucoup plus fin au milieu, puis au final qui est plus évasé au niveau du sol. Pourquoi? Parce que ça répartit beaucoup mieux votre poids dans la chaussure et ça vous offre une meilleure stabilité pour danser. Point numéro 3, point très important, la hauteur du talon. Quand on commence, il vaut mieux privilégier les petits talons. En effet, on commence avec du 5 cm, idéal pour débuter, surtout quand on n'a pas l'habitude de porter des talons. Progressivement, on peut monter petit à petit, on peut aller jusqu'aux 7 cm. Pour du débutant, ça passe aussi sans aucun problème. Plus on prendra d'expérience, plus on pourra monter en hauteur du talon, bien évidemment. Quatrième point très important, le type de semelle. À l'intérieur de votre chaussure, vous devez avoir une semelle qu'on appelle suède, donc qui est un petit peu douce, pour éviter de transpirer dans la chaussure et donc de ne pas glisser, contrairement aux chaussures de ville qui, elles, la plupart du temps, sont en plastique. À l'extérieur, pour pouvoir glisser sur du parquet ou sur du carrelage, puisque c'est des chaussures qui se portent en intérieur, vous devez aussi avoir la semelle suède sur l'entièreté de la chaussure. Cinquième et dernier point très important, le maintien du pied. En effet, le maintien du pied se fait grâce à une lanière qui est ici, ajustable comme vous pouvez le voir, en dessous de la chaussure. Cette lanière-là passe soit au-dessus du coup de pied, soit au niveau de la cheville, mais il est très important de correctement les ajuster pour pouvoir avoir un confort de pied optimal et un maintien du pied dans la chaussure. J'espère que ces 5 petits points vous auront permis de choisir la chaussure qui vous convient. Rendez-vous donc tout de suite sur Salsa Nueva Shop pour choisir votre paire.